Poème numéro 337. Paulette Wright, pourquoi? Quelle délétère gloire, en ton esprit privé d'espoir, voulais-tu, en ce week-end noir, célébrer à Reims, rue de la Victoire? Quelle meurtrière étoile, avec ta main, à rebrousse-poil, voulais-tu effleurer, prise dans quelle toile, brusquement désireuse de hisser la grand voile? Quel oiseau de malheur, toute oreille, mais dans l'erreur, voulais-tu écouter, ô chant trop ravageur, torturé par des doutes, traversé par des peurs? Oui, quelle vive fin de posséder, de tes entrailles subitement évadées, voulais-tu satisfaire par la vie excédée, en gravissant un pylône où nul n'accédait? Oui, quelle obscure pulsion, en ta chair mue par l'émotion, voulais-tu assouvir sans hésitation, en touchant des câbles à haute tension? Foudroyé sur le coup, tu chus sur le sol où l'on te retrouva, gisante dans une rigole, libérée, souhaitons-le, des affres des idoles qui cherchent dans quelque ailleurs ce qui console. Quelles que soient tes raisons, atterré par ton geste, pris par nos vies affairées, jamais nous ne comprendrons, tous sidérés, le pourquoi de ce choix de jeune femme égarée. D'autant qu'on le savait, il n'y avait dans ton bel être aucun talent surfait. Bien au contraire, sur la scène où tu rivais, ceux qui t'ovationnaient, toujours tu éblouissais. Le choc dissipé, la tristesse passée, l'incompréhension disparue, enchâssée au fond des cœurs, tu laisseras bien placé la vision d'un ange ardent dans un univers glacé, l'image d'une chanteuse talentueuse éprise de nature qui joue sur sa guitare des refrains qu'on murmure, la silhouette d'une attachante comédienne mature qui, par son jeu, ébranle notre monde vil et dur. Voilà pourquoi, fragile, brillais-tu, comète dans nos nues, de passage, qui laissait quoi? Messagère inattendue, amène et sans dédain, nos âmes de citadins, grises et perdues. Hélas, cependant, au fil des ans, de guerre lasse, chacun oserait le nier, à nos tâches, nous finirons, inconstants et fanfarons, par un jour t'oublier. Oh, à ne plus se réjouir de tes au revoir, à très vite dans cette vie, par effet miroir, espérons que tu percevras, tout attendri, le nôtre, humain, trop humain, à très tard, dans l'autre. Poème écrit par Philippe Parot entre le 16 et le 26 juin 2018.